Bien bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans la pénombre de ma petite baraque pour continuer l'aventure, hein, évidemment sur Vintage Story. Comme vous l'aurez vu, j'ai fabriqué un petit four en argile dans la petite récap et on va s'attaquer pour la première fois à la récolte de nos premiers miels. Mais avant ça, bon, vous l'aurez vu, j'ai crafté des petites flèches, maintenant j'en ai pas beaucoup de dégâts, mais c'est toujours ça. Et on va surtout se lancer la fabrication d'une faux. Pour pouvoir faucher tout le roseau qui est dehors, pour faire les nouvelles ruches. Allez, premier outil, le deuxième, on a dit qu'on faisait une lame de scie. Allez, on fait le marteau, on sache que ça va vite. Et enfin, on a dit qu'on faisait une petite hache. Remarquez ça, j'ai pas fait ça encore. On va faire ça, je l'ai pas fait. Ok. Hop. J'ai bien fait de refaire un marteau, comme vous voyez. Presque mort le mien. Plus de place, bon, c'est pas grave. Coffre à bordel, évidemment. Donc, c'est parti. Je suis en quoi? Couper là. Ok, bon. On va se faire aussi la mannequin en paille. Qui est très utile dans cette situation. Je vous explique. Voilà. On va casser les ruches. Et ce qui va se passer, c'est qu'une fois qu'on aura cassé ces ruches, les abeilles peuvent en sortir et nous attaquer. Donc je veux dire que celle-là, je n'y touche pas. Ouais. Voilà. Il faut toujours laisser nos ruches libres de côté pour pouvoir les réensemer. Donc les abeilles là sont excitées, mais voilà, elles vont attaquer le mannequin et me foutre la baie. Bon, ça marche pas tout le temps. Hop, je les sème près du mannequin et on est bon normalement. Ok, donc là on a récupéré un petit peu de miel, c'est très bien. Et on va reposer des ruches. On va refaire aussi avec le roseau qu'on a
des ruches. Voilà. Ok. Voilà. Donc ça dure pas longtemps, hein, mais bon. Hop. Et c'est reparti, hein, ça va se refaire tout seul. Eh ben, on en a juste une de plus. C'est pas la folie furieuse. C'est pas la folie furieuse. J'affiche un oublié. Et donc avec ce miel, ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va aller chercher le petit sou qui est là. Voilà. Et voyez-vous, on va on peut le poser ici. Et donc ce miel, on peut tout simplement le presser. Non. Comme ça. Si vous faites juste clic droit, vous le mangez. Si vous, vous êtes accroupi et clic droit, vous videz le miel dans un seau. Donc le miel ne pourrit pas. Donc vous pouvez en faire à l'infini. Avec cette technique-là, voilà, une fois que vous avez vos abeilles à vie. Donc la cire, elle sert à faire des bougies. Et elle sert également à faire à sceller des pots pour l'hiver. Donc ça va nous être utile. Très bien. Donc vous voyez, j'ai récupéré 21 de cire. Ce qu'on peut faire, voilà, c'est que avec 3 de haut, on peut faire des bougies, vous voyez. Mais bon, les bougies, c'est infini. Hein. C'est qu'une fois qu'on les avait faites, vous êtes tranquille. Et si j'avais fait des plaques en cuivre. Avec ces bougies, on peut faire des lanternes maintenant. Voilà. Lanterne en cuivre avec du verre. Bon, là on n'a pas de verre. Mais ça se fait également avec du quartz clair. Et les lanternes, c'est l'une des meilleures sources de lumière du jeu. Donc ça va être un de nos objectifs prochains. Voilà, je sais pas pourquoi je viens là. Allez, vite poche. Hop, on met ça là-dedans, on verra ça plus tard. Donc ça c'est fait. On va passer au champ maintenant. Ouais, ça a déjà repoussé là. Je vais remettre les ruches là. Voilà. Et avec ça, je peux faire le reste de mes ruches. Et voilà. Donc là on est bien. Ok, donc le champ maintenant. Qu'est-ce qu'on a de beau? Donc vous avez vu dans le petit recap, j'ai déjà récupéré des carottes. Hein. Là ça pousse, hein, putain. Graines de carottes avec 7 carottes, 11 carottes. Donc ça produit bien, mais le problème c'est que je récupère beaucoup de graines. Bon, ça servira pour l'hiver, hein, de toute façon. Ah, je vois que j'ai déjà de la moisissure. On pourrait commencer le compost. Ça peut être une solution. Tonneau. C'est ça, il me faut des bâtons.
faire pas mal. Alors pourquoi j'en fais autant? Parce qu'en fait ici donc il va y avoir le concrètement le tanin. Donc là il y aura une source d'eau. Ici il y aura mes trois chauds. Bon, peut-être que je ferai deux. Ça fera deux chauds. C'est rare que je me serve des trois quand même. Et du tanin. Normal, sachant que je récupérerai aussi les barils là-bas. Là, je vais même me mettre le long de cette grange, c'est très bien. Mes petites moisissures. Et ça sera parfait. Alors le poulailler, voyons un peu ce que ça donne. Deux jours, trois jours, quatre jours. Très bien, ils ont encore un peu de grain. Ouais. Plus trop, mais j'en replanterai. Je leur redonnerai après, après que les poussins aient éclos. Ok, tout ça c'est bon. Alors objectif du jour, on va aller, je vais vous parler d'un projet qui va se faire en off, qui consiste tout simplement à, ici, creuser un tunnel de 2 ou 3, je ne sais pas encore, qui va traverser toute la montagne. Pour aller où? Pour aller de l'autre côté, donc pour aller ici. Voilà. Ce sera sûrement du 3 de profondeur, je sais pas, on verra bien. Et pourquoi? C'est parce qu'en fait ici, j'ai déjà commencé à ramener un peu près de ce mangeoir là, voilà, vous avez des cochons là. Non, là on a une truie ou un sanglier. Et il doit y avoir une truie quelque part qui traîne là-bas. C'est un autre sanglier. Enfin, bref, il doit y avoir une truie dans le coin, là il y a une chèvre. Là, c'est quoi, c'est le sanglier? Ouais. Enfin bref, il y a une truie qui est dans le coin, je ne sais pas où. Mais il y a une truie. Et ça c'est le prochain objectif, hein, c'est des cochons. Mais avant, il faut que je fasse mon tunnel, mes portes. Et après, je les ferai passer dans le tunnel. Ça me permettra moi de rejoindre ce côté-là sans devoir à chaque fois réescalader tout ça. Et aux cochons, ce sera plus simple de me suivre. Comme ça. Je pourrais faire un chemin et les faire me suivre en me poursuivant, hein, mais ça va être tellement chiant que je préfère faire un tunnel, ça va avoir une double utilité. Hein. Voilà pour le projet qui va se faire en off. Donc voilà, quand j'aurai le temps, sera tourné. Mais je ferai pas de commentaire dessus. Et donc évidemment, donc, il y aura une construction de porcherie qui va se faire ici. Et si on arrive à toper la chèvre, ça se prend. Et on essaie de trouver. Pardon, dans les montagnes là-bas, une autre chèvre. Ça c'est fait. Qu'est-ce que j'avais prévu de faire aujourd'hui? Il y a bien la prospection pour le cuivre. Il faut que je commence. Et maintenant que j'ai un arc, je vais faire un peu plus de chasse aussi. Donc c'est parti, on va aller se faire tout ça. Hop. Non, c'est ça que je veux. Voilà, ça va là, en 3. 1, 2, 3, c'est ça. Ça c'est en 1. Ça va là, ok. Allez, on est parti, on va aller prendre une pioche de prospection, une pioche normale aussi. En secours. La prospection elle est neuve, donc c'est pas celle-là que je veux. Voilà. Allez, on est parti. Et en fait, mon objectif là, c'est d'aller checker
voyez, ici, donc on sait qu'on a du cuivre bismuth, tout ça, très pauvre. Ici, on a de la bismuth très pauvre à 0,62. Là, on est à 2,12. Là, on est à 1,32. Bismuth, on est à 0,74. Donc, potentiellement, ici, pour moi, il y a peut-être ici ou un peu plus au sud, potentiellement dans ces coins-là, il y a de la bismuth. Donc, on va aller checker ça. Bah, c'est un peu par là. Donc, on va aller voir ça. Faudra également que je récolte toutes les baies. Et elles me serviront pour la fabrication de nos premiers vins. Donc avec la presse, évidemment. Bon, c'est les petits lapins. Hein. Mais ça se prend. Ça fait toujours un tout petit peu de cuir. De 37 descend cuivre natif, caséite, trace de magnétite un peu minuscule. Ok, 237, 212. On va essayer d'avancer encore un peu. Mieux. Faut faire un prélèvement au bout du lac là. Ça c'est chiant par contre. Donc on est moins bien. Vous voyez, ici on était à 3,19, là on est à 2,83. Donc faut vraiment que j'aille au milieu du lac. Quand même plutôt aller faire un prélèvement au sud du lac. Voir si les valeurs redescendent ou si elles continuent à monter. Peut-être pas besoin de me faire chier à faire dans le lac. Donc on est encore plus élevé. Hein. Donc clairement le lac ça aurait été peut-être une perte de temps. Faut que je me rende compte quand même. Je suis con, j'aurais pu faire ça pour faire ça. Faut que je me rende compte un peu plus au sud quand même. Là par contre on est... Ouais. Trop c'est trop. Alors. Du coup là on est très pauvre. Là on est élevé. Intermédiaire, faisons ici. Alors on est un peu moins ici quand même. Donc là, très élevé. Ici on est juste élevé. On va essayer un peu à gauche. Ah non, c'est moins bon. Donc là, on est là. Bon, bah, vous savez ce que ça veut dire, hein. Faut se confirmer, faut confirmer qu'on est pour une valeur très élevée au milieu du lac. Genre, pas très élevé, mais je crois que c'est abondant. Le terme le plus élevé. Donc, bah, c'est pour la science, hein. On va aller au fond du lac faire un prélèvement. Ah, et bah voilà. C'est bon, ça va, ça me respire. 4,12.
4, 19. Ah, on est quand même plus intéressant ici, hein. Quatre, 27. Ouh. Qu'est-ce que ça dit, 4, 27? Quatre, 27, c'est élevé. 4, 19, c'est très élevé. Bizarre, ça. Pourquoi ici, c'est très élevé? La valeur est plus haute ici. Pourquoi pas? Bon, on sait que ici, potentiellement, bismillite quoi. On va y jeter un oeil quand même. Je suis pas trop équipé pour le minage, mais bon. Il faut que je vérifie. En gros, entre 5 mètres de profondeur et 95 mètres de profondeur. C'est pas merveilleux ça. Moi bon, j'aime pas trop aller dans les trous que je connais pas déjà. Et bon, si je sais que si je fais ma mine ici, je vais tomber dedans quoi. Donc tant pis, allez. Et flûte. Bon, nous voilà à la couche 93. Malheureusement, je suis tombé sur du shy. Du quartz. Alors pourquoi je dis malheureusement? Parce que c'est un outil de niveau 3 qu'il faut pour creuser ça. Donc ça me bloque un peu ma progression de ma mine. Mais on va déjà faire un peu de prospection. De la lignite, quantité moyenne, et du quartz évidemment trouvé en très grande quantité. Donc on va avancer. Donc là je, par défaut je crois que je suis en 6. Donc c'est ça, donc là 1-1. On va avancer tout ça. Je prédis un quartz très grande quantité. Galène. Lignite, énorme quantité. Bon, on sait qu'il y a aussi du. Ouais, voilà. En effet, il y a de la très grande quantité de lignite. Je suis full? Non. Petit rouage. Je peux remonter si jamais ça pue. Qu'est-ce qu'on a là? Du quartz. Des monstres. Bon, il y a de la lignite. J'ai découvert une mine de lignite, écoutez. Il arrive, hein, le salaud. Je voulais quand même faire un petit prélèvement, moi, à la base. Non? On peut négocier? Bon, on négocie pas. Bon, je suis pas équipé, il faudrait au moins l'armure en cuir pour pouvoir faire ça. Mais tranquillement, ouais, avec, en s'assurant bien de pas crever. On a déjà trouvé un bout de mine. Donc, qui dit bismuth dit aussi devoir se faire une mine de casidérite, je crois, c'est ça le nom, histoire d'être sûr de pouvoir faire notre bronze bismuth, hein. Qui est non pas le meilleur, mais le deuxième meilleur bronze du jeu. Et je vois que j'ai faim et que je n'ai rien à péter.
À part un bout de viande crue. Ok. De retour à la maison. Ce qu'on a découvert, c'est de la lignite. J'ai du chai, comme ça. Bon, on fout tout dans le four, merde. Évidemment, on rangera tout ça plus tard. On va aller récolter des fruits parce que bon, je pense que pour cette année, on va peut-être pas faire de jus, mais on va peut-être bien faire de la moisissure en fait pour démarrer un peu le compost dans l'espoir de trouver de la terre élevée en termes de fertilité. Ça va nous permettre de. Ça va nous permettre de faire de la terre après ça. Pour tranquillement remplacer notre champ. Là où il y aura évidemment la serre plus tard. Je vais mettre ça dans un truc. Dans un coin, celui-là, je sais qu'il n'y a pas grand-chose. Faut juste que je pense à regarder, mais là, ça va pourrir très vite. Hein. Maintenant, 7 jours, mais ce sera moins, hein, je pense. Mettre le bouton avec, voilà. Charger ce bestiau. Il est où? Wow! Il charge peut-être bien. Quand je suis mauvais. Oui voilà, il charge. Ah oui, il charge pas qu'un peu. Ah hein. Oh, il est de cire ici. Il est de la résine. Non, non, je suis pas coincé. Ah, il m'a démonté. Ah. Ah ouais, il m'en veut. Hein. Yop là! Oh, cette flèche qui a fait un double hit critique de ouf! Wow, les deux grandes peaux brutes là! Elles font plaisir! Ouais, on va s'arrêter là pour celui-là. Et puis je vous dis à très bientôt hein, pour la suite. Là, j'ai largement un épisode de 25 minutes. Et du coup, je vous les retournerai un peu plus le prochain plus tard. Et on verra un peu où c'est que ça va. Où c'est que ça nous mène. Qu'est-ce qu'on pourrait faire. Et qu'est-ce que vous avez envie de voir. Tiens, dites-le moi en commentaire, n'hésitez pas. Qu'est-ce que vous voulez voir prochainement. Voilà. Et donc sur ce, je vous dis à la prochaine. Et puis à bientôt. Salut à tous.